Michael Ngoy, défaite dans le derby ici à Lugano, après une large victoire à domicile. Qu'est-ce que Ambri a mal fait ou pas assez bien fait pour rester dans la course ? Bon, on va pas comparer les deux matchs, parce que c'est quand même quelques semaines, voire des mois en arrière. On sait que chaque match est différent. Ce soir, on ne nous a pas manqué grand-chose. Hein. On n'a pas fait un mauvais match, mais on n'a pas fait un incroyable match non plus. Je pense que jusqu'à 2-1, le match était très serré. Il y a eu des moments... Vraiment, on a dominé le match. Ce troisième goal qui nous fait très mal, à partir de là, je crois que ça a été très difficile de revenir, surtout que devant la cage, on a eu de la peine à mettre beaucoup de pression, enfin vraiment être dangereux. Mais dans l'ensemble, je crois qu'on n'a pas fait un mauvais match, mais ça n'a pas suffi. Et quels sont les éléments que vous allez prendre avec pour le match de Davos jeudi ? Oui, il y a quand même pas mal de choses qu'on a bien fait. Je crois que il y a sur plein de phases de jeu, box-play où on a bien joué. Seulement, qu'il faudra monter l'intensité. Vraiment, c'est un derby ce soir. Il faut vraiment jouer avec beaucoup plus d'émotion. On a senti aussi un petit peu une crainte par rapport aussi à la situation. C'est vrai qu'il nous reste, il nous restait 7 matchs avant ce soir. Beaucoup font des calculs. C'est vrai que peut-être un peu une pression, que ce soit qu'on parle de play-off ou bien qu'on parle de play-out. Hein. C'est vrai que de toute façon, maintenant, on n'a pas le destin dans nos mains. Il faut arrêter de penser à ça, parce que c'est vrai qu'on a peut-être senti sur le banc ce soir. Et puis jouer comme si on n'avait rien à perdre, parce que c'est le cas, on n'a vraiment rien à perdre.